m'appelle Monette Picard, je viens de Dordogne, mais à l'origine je suis de la région parisienne parce que je suis ivrienne. Donc c'est déjà le bon endroit. Je pense que quand ma mère est rentrée de la maternité, j'avais ma carte du parti dans mon lit. J'ai adhéré au parti juste après la JC, quand j'ai commencé à travailler. J'ai jugé que c'était normal, je devenais adulte. C'était en septembre 59. Depuis, je suis au parti. J'étais déjà au parti à Ivry, je continue à y être. Là, je suis secrétaire, animatrice, enfin un truc un peu bancal, mais qui fait un peu tout, dans ma cellule au 800 de Cadouin. Sinon, en dehors de ça, je suis à la CGT, ou alors là, j'ai tout un tas de mandats dans un tas de CE, les retraités, parce que je suis retraitée aussi. Je suis issue du milieu bancaire, professionnellement. Je sais bien que c'est pas trop coté, mais enfin bon, c'était comme ça. Ce que j'attends du congrès, je crois que j'en attends beaucoup de choses. Je dirais même tout, parce que je crois qu'on arrive à un tournant dans la vie de notre parti. Il y a des décisions à prendre, qu'il faut peut-être faire le point sur le passé, sur ce qu'on souhaite à l'avenir. Je pense que tous les congressistes vont être pareils, ils vont attendre les mêmes choses. Alors sinon, en dehors d'être au parti et à la CGT, ce qui fait déjà beaucoup d'occupations, je peux vous dire, je fais partie de la Fédération des anciens combattants d'Afrique du Nord, puisque mon mari y est allé et que j'en suis veuve. Et là aussi, je fais partie chez moi, dans mon petit patelin du bureau. J'aime le sport, le handball, puisque ça, c'était très ivrien aussi. Le cinéma, énormément, la lecture, parce que je passe beaucoup de temps dans les congrès et tout, je repars avec une valise où il y a beaucoup de livres, je lis beaucoup, je m'occupe de mes petits-enfants, parce que j'en ai trois quand même, un peu moins maintenant parce qu'ils ont grandi, mais je suis partie habiter en Dordogne pour m'occuper des deux plus jeunes. Mais sinon, mon cœur est resté à Ivry, projet révolutionnaire du parti. Ça serait peut-être de tenir compte un peu du désir de l'être humain, d'être peut-être plus attentif à ce qu'il souhaite, faire de la vie en commun, d'avoir peut-être, parce que je pense qu'on a perdu ça un petit peu, la solidarité, les problèmes sociaux. Je voudrais qu'on laisse un peu de côté le chacun pour soi. On vit en ce moment depuis un petit moment, ça ne me convient pas. C'est pas ma vie, ça. Ma vie, c'est être ensemble.